Salut les amis, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui on est le mercredi 1er mars et je suis à Londres pour le Strike Night. Alors le Strike Night c'est quoi? C'est un tournoi exceptionnel organisé par Nike. Donc 8 buteurs, 8 ambassadeurs de l'Hyper Venom vont se retrouver ici à Londres pour un tournoi exceptionnel. En fait ils seront dans une cage et ce sera un concours de reprise de volée avec un jury qui fait penser au Slam Dunk Contest de basket. Donc voilà, il y aura plein de belles choses aujourd'hui et je vais vous faire vivre cet événement avec moi. Les amis, je suis bien arrivé dans ce lieu underground où aura lieu le tournoi Strike Night. Donc c'est un tournoi qui opposera 6 attaquants. Je vous parlais de 8 attaquants, mais finalement, ils ne seront que 6. Donc on retrouvera Aubameyang, Icardi, Oxlade-Chamberlain, Rashford. On retrouvera également Benteke et enfin André Silva, le jeune attaquant portugais. Voilà, en fait, c'est un concours d'attaquants, donc un contre un face à un gardien. Et ils vont s'affronter en duel. Il faut marquer des buts spectaculaires. Plus les buts seront spectaculaires et plus les points seront conséquents. Il y aura des juges dont Ian Wright, l'ancien attaquant d'Arsenal. Donc ça promet d'être vraiment spectaculaire. La compétition a commencé avec un premier duel entre Aubameyang et Benteke. Oh, il fait la bouche. Well, that's that one then. You get like 1,000 points, but it's a bit of a cheeky one. Alright, so I think myself will be Christian, I'm sorry, you're gonna have to take this one as well. Alright, let's give him a big round of applause. Thanks the most for the best. Alors, Aubameyang a gagné le premier duel contre Benteke, maintenant c'est Oxlade-Chamberlain contre Mauro Icardi. Alors, le dernier duel opposé à Alex Lévy qui a remplacé Marcus Rashford qui n'a pas pu venir.
à André Silva, le jeune joueur, on va voir ce que ça va donner. Dans ce dernier duel, c'est André Silva qui a battu Alexis Wobi. Et donc, on va voir un duel final avec trois qualifiés. Et là, il y a Didier Drogba. Regardez, un des juges, Didier Drogba est là. Première demi-finale, André Silva contre Roy Cardi. La surprise en battant Mauro Icardi en demi-finale, donc le jeune portugais sera en finale de ce Strike Night Contest. Marcus Rashford vient d'arriver un peu en retard, donc du coup il a un tour de rattrapage contre Chamberlain. Du coup, Rashford s'est qualifié et la demi-finale va opposer Aubameyang à Marcus Rashford. La finale opposera André Silva à Marcus Rashford. Bon, jusque-là, les attaquants sont pas montés trop à la hauteur de l'événement. On va voir s'ils vont se réveiller lors de la finale. Le gardien sera Thibaut Courtois, gardien de Chelsea, et les deux finalistes, André Silva et Marcus Rashford. C'est parti! Well, the winner of Strike Night, first ever Strike Night in
c'est déjà la fin de cet event. C'est donc André Silva qui remporte ce Strike Night face à Marcus Rashford. J'espère que ça vous a plu. C'est vrai que cette vidéo est peut-être un peu plus courte que celle qu'on fait d'habitude. Et j'espère que vous aurez pris beaucoup de plaisir à voir cette vidéo. Nous, on se retrouve très prochainement pour d'autres vidéos et d'autres aventures sur Footpack. À bientôt les amis.